Wesh, arrête de me coller. Wesh, cousin, arrête. Wesh, les Belges. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial dans le bureau. Ça fait longtemps qu'on suit sur les réseaux, qu'on se connaît, qu'on discute. Mais il n'avait jamais eu l'occasion de venir. Il a commencé dans le gaming, il fait des voyages, des vlogs. Et il n'y a pas longtemps, il s'est lancé dans les sneakers. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Annie. Yeah. Vous savez, en ce moment, j'aime bien organiser des petits jeux. Donc, Anil, ouais, si tu l'acceptes, voilà, tu vas participer à l'un des jeux. Et l'adversaire du jour, ça va être un célèbre YouTuber, Twitcher depuis très peu, Vilsé. Yeah! Le défi. Je sais pas c'est quoi le défi, mais je le relève. Si vous pouvez venir juste à côté de moi, je vais vous expliquer, je vais expliquer à tout le monde. Donc là, en gros, là-dedans, il y a des petits papiers. Il y a des petits papiers avec le nom des personnes qui sont ici présentes dans le bureau. Chacun votre tour, vous allez tirer des petits papiers et ouais, vous allez constituer des équipes. À partir de là, on va faire un petit quiz. Et l'équipe qui va gagner, elle aura un cadeau très intéressant. Enfin, tu vas avoir un cadeau très intéressant. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous dire tout de suite les paires que vous kiffez le plus et la paire que vous le trouvez la plus moche. Genre, les amis, de tous les temps ou en ce moment? En ce moment, là. Attends, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai vu de dégueu là? Globalement, les dernières Yeezy, je peux pas du tout. Donc, n'importe laquelle vous voulez là-dedans. C'est quoi? Il est malin la mission. Moi, celle que j'aime pas, c'est les Yeezy. Qu'est-ce que c'est que ça là? Non, rien à voir. Alors, ok. J'en ai vu une autre dégueu aussi, mais il a déjà fait un truc là avec la Beyoncé Adidas là. Bon, allez, on va partir sur celle-là. Vas-y, allez. Beyoncé Adidas, ok, et toi? La plus moche. Il y a une paire que j'ai pas aimé du tout, c'est les Dunk Low Disrupt. Je trouve elles ont aucun sens, j'aime pas la moche. Gros, j'aime pas. Ah ouais. Parce que là, vous avez capté ce qui va se passer. C'est quoi ça? Vous choisissez des paires nulles qui sont stylées. Arrêtez. J'aime pas trop la Nike Mag. Mais voilà. On va choisir vos paires dégueulasses parce que vous faites trop les malins. Ouais, cousin, je donne une paire que j'aime pas. T'inquiète, pour le reste, on s'en occupe. T'inquiète pas. Alors, moi, votre une paire qu'on aime bien? Moi, il y en a une en ce moment que je me tâte à prendre, donc on va jouer là-dessus. La Travis Dunk. Ok. Voilà. La paire qui était très stylée, qui est sortie récemment et que j'ai pas eu, c'est la New Balance 992 en collab avec Jan, Gigi, OND, je sais jamais comment ça se dit. Top un peu là, elle était incroyable. Celle-là, tu l'aimes bien beaucoup là. Ah, je la kiffe fort de fou. Fort. Alors en gros, le gagnant, il va devoir acheter une paire la plus pétée possible et l'offrir à son collègue qui devra lui la porter pendant une semaine. Hey, wow. Le perdant, il devra acheter la paire que le gagnant souhaite. Oh putain. Il a dit quoi très vite sur... Si je l'hésitais à acheter, c'est qu'il y avait une raison. Lui, il a dit du ballon, c'est faire en promo là. Bah, moi ça me va, hein. Pas dire le contraire, hein. On va donc procéder au tirage. Il a déjà perdu l'avance. Ouais, t'inquiète. Mais c'est pas le pas, on est pas en train de tout. J'ai mon droit avec moi. Ça y est, j'ai gagné. Souk. Ça va. J'ai Zali avec moi. Zali! Yeah. Oh là 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 là. Bon. Amine du coup. Amine! Nelly! Il est sous pression. Regarde. J'ai chasseur avec moi. Chasseur! On va gagner, on va voir. Quelle équipe! Linda! Lindouille la douille! J'ai P-Way. Yeah! On va le faire, mon BG! Pas de Travis pour nous! Sean! C'est le dernier, c'est ça? Michael! Non, ça va, je suis choisi en dernier comme quand j'étais au collège là! Oh, c'est chaque équipe de chaque côté. Gros, quand t'as trop le choix comme ça, c'est trop dur de choisir. Wesh, arrête de me coller. Wesh, cousin, arrête! Tiens, mais dire, c'est déjà de la team. Ils sont 5 et on est 4. T'inquiète, l'arbitre. Attends. Le maître du jeu a tout pensé. Sans compter que dans leur team, y'a que des tricheurs. Ouais. Y'a que des tricheurs. Vous voulez vraiment faire un Jenga avec un bail en métal? Vous allez vous péter une dent. Donc là, en gros, vous allez choisir pour chaque question un champion. Ma mère! On va se mettre ici. Je vais poser la question. Dès que vous avez la réponse, vous attrapez. Et vous avez le droit de répondre. L'équipe qui a la bonne réponse, elle a gagné un point. Par contre, si elle se trompe, elle donne un point à l'adversaire. Okay. Oh, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des thèmes ou c'est général? Il y a un peu de tout. Gros, il a regardé une question. Choisis ses thèmes. Il a regardé une question. Il cherche. Tom, t'as filmé depuis le début? Depuis tout à l'heure, depuis le tour, il faut regarder les questions. J'ai rien fait. Mike. Il a rien fait. Mais rien du tout. Anil, on vient de me proposer 100 euros pour avoir les bonnes réponses. Oh! J'ai 50 balles.
Qu'est-ce que vous racontez? Je suis à découvrir les mecs. Laissez votre champion pour la première question. C'est pas celui qui décide. Eh, Monroe, il va jamais attraper la bouteille. Et y'en a, ils ont tapé le plafond là. On est dans Street Dancer là, sortez ici là. On envoie Anil, venez. On envoie Anil. Ah, on a le droit de souffler tout ça, c'est la trompe. Non, on doit rien dire. On a pas le droit de tricher. C'est carré. Eh, c'est pour au milieu ça. Arrête, frérot. Les gars. Première question, quel est le premier modèle sorti par Tesla? Wesh! Oh! Mais réponds maintenant! Réponds maintenant! C'est faux! C'est faux! On a même pas besoin de répondre! C'est la roadster! Ah! Allez, les points! Ils sont plus que nous, frérot! Mais ça change quoi? Il y a un seul mec! Moi j'ai pas le bac, je compte pas. Allume Amis, mon bouc. Allume-le. Mon bouc fou. Là le but c'est de vous approcher le plus possible de la réponse. Ah, j'ai cru de la bouteille. Sur les 3 dernières années, combien de modèles et de coloris de Yeezy sont sortis? Ouais, ah, il a pas fini. Frérot, 5. Réfléchis, donne-nous la réponse. 43. Il a pris la bouteille. C'était même pas terminé, frère. La réponse, c'est 207. Voilà, j'ai pas dit 5. J'ai pas dit 5, j'ai dit 5 secondes. 207, Qui va aller? Si tu vas, c'est du cinéma, ça, on va les taper. Il donne des réponses. Mais y a même pas une question. Pour quel cover d'album Virgil Abloh a été nominé aux Grammys? Allez, ok. Vas-y. Reste là-bas, s'il te plaît. Sinon, je vais retirer des points. Amine, pareil. Chasseur laser. Joue pas le jeu de regard. Regarde la bouteille. Voilà. Regarde que la bouteille. Elle est plus proche de vous. Combien de shops suprêmes il y a dans le monde? Vas-y, chasseur, réponds, t'en prie. Elle a dit une réponse. Ouais, vas-y. Arrête. C'est bon. Vas-y. 11. Vas-y. OK. La cohésion, on a eu pas peur, pas de tout. Transforme l'essai là, il reste plus que toi. J'ai tombé dans les pommes, vous savez moi. J'ai pas une santé de fer. Quel est le nouveau directeur artistique de chez Fendi? Kim Jones, Impossible! Attends! Jure la vie de ta mère, t'as pas triché! Jure la vie de ta mère, t'as pas triché! C'est ce que j'ai de plus cher au monde, je suis pas. On n'a pas justifié, on a gagné. Il a triché! Mais je vais pas jurer la vie de ma mère pour un jeu! Moi je vous plais que vous trichez! Il ment, frérot! Moi je le connais, il ment! Il reste 3 questions et à partir de maintenant, les réponses vont doubler double. Ma mère! Quelle est la dernière voiture chez Ferrari qui a été validée par Enzo? C'est qui Enzo? Le créateur de la marque. C'est la Enzo? Faux. Ah, dommage. Bon, là, on récupère. C'est ça qu'on récupère deux fois. F40. Dernière question. Ouais. Sur cette question-là, qui compte double. Concentrez-vous. Je vais vous demander d'être le plus honnête possible. S'il vous plaît, vous allez devoir deviner le nombre d'accidents que l'autre a eu dans toute sa vie. Accident de voiture. D'accord, du coup, il faut être honnête. Ok, ouais, je comprends. T'as le permis? Et attends. Oh, attends.
elle note. Ouais, voilà, c'est ah, mieux. Bien, ça c'est bien. Vas-y, viens vite. Amine, Amine, tu fais quoi là? Amine, hey, Amine, hey, Amine, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, Le but pour chacun, ça va être de deviner le nombre d'accidents de l'autre, ou en tout cas de s'en approcher le plus possible. Il y a deux points à gagner. Vous avez à peu près 10 secondes pour réfléchir et pour donner une réponse. Anil, je pense que tu as 29 ans. Ouais. T'as eu le temps de faire des accidents. Je pense que tu as eu 4 accidents. Ok. Donc, maintenant, moi, j'ai donné pour lui. Il a 22, 4 ans de permis. Je dirais 2. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est une remontada et que c'est l'équipe d'Anil qui a gagné. Gagne toujours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La triche, mon gars. Est-ce qu'on peut avoir les réponses? Combien vous avez eu? Deux. J'ai deviné. Voilà. T'avais eu combien toi? Un seul. Et c'est pas moi qui conduisais en plus. Ah, tu l'as compté quoi? Donc, ben je l'ai compté, j'ai eu un seul. Papa. Du coup, Lindsay, tu vas devoir offrir une paire de Nike Dunk Travis. Oh putain. Il a pris la pire. Je suis désolé. Et maintenant, nous allons décider tous ensemble la paire que Lindsay va porter pendant une semaine. Ouais. C'est la pire soirée. Ah ça y est, les équipes, c'est fini là. Là en gros, c'est tout. T'as perdu là à cause de moi. Mais c'est du hasard, c'est à cause de toi qu'on a perdu, t'as triché. Moi. Je le vois bien avec la superstar Beyoncé. Ouais, c'est vrai que c'est pas mon. J'ai sneakers. Ah, je veux qu'ils se portent quoi. Eh, chaussures de ville. Chaussures quoi, tu ferais? Mais il en a déjà porté là pour son diplôme. Elle est la superstar Beyoncé. Ah, ouais, je la vois bien. Chaussures pointues devant la porte de garage. Voilà. Eh, chaussures pointues, c'est mort. Mais c'est pas des. Gros, tu peux pas. Attends, mais c'est un sandal. Tu mets la jogging toute la semaine avec. Tu vois, c'est ça le problème. On part d'une paire et parle d'une semaine. Une photo sur Insta, chaussures pointues, ça. C'est quoi chaussures pointues? Mais genre chaussures de soirée quoi. Chaussures de ville. Non mais hey, pointu. Vraiment ça, ça c'est le genre de paire ils ont, tu sais, chez Zara, ça coûte genre 60 balles. Oh. Full brillante, bien pointue, elle était il y a 30 ans. Brillant. Moi qui vote pour une chaussure pointue? Allez, pointue, vas-y, on est. Chaussures pointues, chasseurs. On est ensemble. Zali, ouais, je fais trop, non, c'est trop. Nous irons donc acheter une paire de chaussures pointues. Vous savez qui devra porter pour une chaussure. Vous pouvez raconter votre actualité et ce qui va venir après. Ouais, vas-y, je t'en prie. Moi, bah là, je vais casser des manettes sur Twitch. C'est ça qu'on veut. Et je vais me casser le bras en skate aussi, ça te mord. Ça arrive le retour là? Ah, sale. En chaussures pointues. moi, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, moi, plein de trucs aussi, mais plutôt une fin d'année un peu tranquille, ça va twitcher aussi, je pense, un peu. Ouais. Nouveau collab, je vais revenir un peu dans mes anciens délires. Et voilà, après, on se promène, on fait de la sneakers, on rachète Coricel parce que je gagne jamais. voilà, globalement, c'est tout. Tu voilà. Gagnes quand même une Doug Travis en là, c'est vrai. Là, j'ai bien fait. T'as gagné ta raffle. Ah là, ouais. Bon. La tête de ma mère, j'ai pas. Et aussi, je pense qu'un jour, on va venir chez toi pour un LSDL. Please, oui, ouais, ta connexion. C'est signé. C'est signé, mon gars. Bah, oh. On peut faire un max de bruit. Oui. Allez, s'il vous plaît. Oui. Cette vidéo avait absolument aucun sens, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez les réponses. Likez, partagez, commentez. Que du love sur vous, mes nés. On est en bleu sang. Bye, thanks. Et merci, maître du jeu.